Yahoo, Dimancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui, je te retrouve avec un immense plaisir pour la présentation d'un nouveau Yaoi. Mais cette fois-ci, on est avec un Yaoi des éditions Taifu. On va parler de Pink et Mabeshiba. Le manga Pink et Mabeshiba est un one-shot des éditions Taifu. Nous sommes sur un manga qui est dans le genre romance et tranche de vie. Nous sommes avec un professeur et son élève. La série date de octobre 2019 et à chaque fois je veux dire 2013, je sais pas pourquoi. Et nous sommes sur une œuvre qui date de 2016 au Japon. La série est âge conseillé, je te dirais, aux 14 ans et plus. On sait qu'ils le font, mais on ne voit rien. On ne voit aucune entrejambe non plus. Donc, personnellement, je te le mettrai directement pour des 14 ans et plus. En ce qui concerne la série, en ce qui concerne le mangaka, nous sommes avec Tomo Kurahashi. Et je ne sais plus du tout si l'auteur a écrit autre chose, sinon ça s'affiche. Je tiens à faire juste une petite parenthèse par rapport au fond blanc. Comme tu le sais peut-être, si tu as regardé les vidéos qui sont sorties cette semaine, j'ai sorti deux vidéos avec des figurines. Et donc, j'avais retiré le fond orange, qui était le fond Halloween. Et je n'ai pas eu le temps aujourd'hui en fait de mettre un fond de Noël, mais promis demain ça sera fait. Voilà, je tiens à m'excuser pour ça. Il n'y aura eu que deux vidéos filmées aujourd'hui, mais je tenais à m'excuser par rapport au fait que ça soit fond blanc. Donc on attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures et je te dirais que je les ai adorées. Déjà j'ai adoré la couverture avec ce côté toutou et dominant un petit peu avec... Pourquoi ça fait le focus sur mes doigts ? Voilà, côté dominant, etc., avec la laisse, ses oreilles, etc., j'ai vraiment surkiffé. En même temps, le personnage, en fait, il s'appelle Mikoshiba. C'est pour ça qu'il y a donc Mameshiba dans le titre et qu'ils ont mis Pink parce que le gars avait les cheveux roses. Hein, voilà. Après, le Mame, il faudrait que je découvre pourquoi Mameshiba et pas Mikoshiba. Mais bon, toujours est-il que j'ai vraiment adoré l'illustration et ça m'a donné envie de m'y intéresser. J'ai bien aimé aussi ces petits jeux de couleurs qui avaient rose, vert et jaune. Pour ce qui est de l'arrière, ce que j'adore, c'est qu'on a toujours... Ah oui, si ! C'est les bâtons lumineux pour les concerts. Ouais. Donc on attaque avec l'arrière que j'ai vraiment aussi adoré. Toujours ces petits traits qui représentent donc les bâtons lumineux. On a ici un petit porte-clés en haut qui est un objet édition très 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 limité qu'il y avait eu au tout début par rapport à ce groupe. Donc on le découvre aussi dans la série, c'est pour ça que je peux te dire ça. On a un petit porte-clés avec, un petit objet avec le nom du groupe. Donc ça je trouve ça mignon. On a un éventail, donc un Uchiwa avec le visage du chanteur qu'il préfère. Aussi un petit Uchiwa où il y a marqué « Faites le signe bang ». Voilà. Donc c'est tout. Après on a juste une petite phrase plus ou moins d'accroche. Comment faire ? Un élève m'a fait ça. Ça donne pas envie en fait parce que... Oui, tu te doutes très bien ce qui s'est passé et c'est pas ce genre de phrase là qui va te donner envie forcément de dire qu'est-ce qu'il lui a fait. Bah tu t'en doutes forcément, un prof et un élève ça va jamais plus loin, enfin ça fait toujours le même genre de scénario. Ce que j'adore c'est que quand on enlève la jaquette on a donc les objets mis en avant, j'ai vraiment surkiffé, j'adore encore voir la tête du chanteur, ça c'est un truc que j'ai pas du tout en goodies moi. Et ensuite, ce que j'aime, c'est la page en couleur parce qu'on voit donc l'affiche du chanteur, on va dire Pink, tu verras tout à l'heure, je parlerai du mec en l'appelant tout en Pink, et le jeune homme, le jeune professeur aux cheveux bleus. Ensuite, on a donc la page d'entrée de sommaire qui est plutôt sympa, assez répétitive quand même de ce qu'on a eu depuis tout à l'heure, mais ça ne me dérange pas. Ce que je surkiffe, c'est le sommaire comme ça en diagonale, surtout comme ça quand ça a un rapport avec les idoles, je sais pas pourquoi, je trouve que ça colle beaucoup mieux. Et ensuite, on attaque directement le manga. Voilà. On attaque donc avec mon avis sur la qualité du dessin, et je te dirai tout simplement que nous sommes sur une qualité dessin que j'apprécie tout particulièrement, et donc voici la note. Pour ce qui est donc du manga, j'ai vraiment adoré le scénario parce que tout simplement je me suis un petit peu retrouvée dedans. Je m'explique. On suit les aventures d'un jeune homme qui est complètement fan d'un groupe d'idoles et d'un chanteur en particulier, et il a rempli sa chambre, alors qu'il est quand même adulte, hein, c'est un professeur, il a rempli sa chambre justement de photos, de posters, etc., de goodies de ce chanteur en particulier. Là où je te dirais tout simplement qu'on se ressemble, parce que moi, certes, ma chambre, elle est encore avec des peluches, etc. Mais si, alors je suis désolée pour Pika, je sais pas pourquoi depuis tout à l'heure elle aboie et elle est avec mes parents. Donc, en ce qui concerne ça, parce que tout simplement, moi, justement, aujourd'hui, j'ai pas fait exprès, mais j'ai pris mon suite, donc, de mon groupe préféré, et surtout de mon chanteur préféré, parce que derrière, il y a donc l'inscription du chanteur numéro 1 pour moi dans tous mes chanteurs. Et...
on découvre en fait pourquoi le jeune homme est complètement fan de ce chanteur, qu'il en est dingue, etc., qu'il collectionne tout et autres, tout simplement parce qu'on découvre qu'il l'a sauvé. Ce chanteur l'a sauvé et a fait un concert et a illuminé sa vie pile au bon moment. Et donc, c'est ça qui a fait qu'il en est devenu accro. Et personnellement, je te dirais tout simplement que moi, mon chanteur préféré, du coup, en tant que K-pop, c'est le chanteur Léo. Et en fait, il faut savoir que Léo, depuis que j'ai retrouvé le groupe, parce que je m'explique, j'ai connu le groupe au tout début, et j'étais pas dans le mood en fait d'écouter des mecs, j'écoutais plus des filles à cette époque-là. Et en fait, après, j'ai retrouvé le groupe il n'y a pas très très longtemps, grâce d'ailleurs à mon paradis livresque, je le redis, donc je t'invite à aller voir sa chaîne, c'est un petit cadeau. Et en fait, depuis que j'ai retrouvé Léo, Léo m'aide au niveau de ma dépression, au niveau de mes émotions, etc., par rapport à sa voix. Je ne serais pas à dire, en fait, quand je regarde des vidéos de ce chanteur, ça m'apaise, quand j'écoute sa voix, quand j'entends sa voix, ça me calme. Quand j'ai eu des pics de stress, comme par exemple avant des opérations, etc., je vais écouter ou regarder des vidéos de lui, et c'est à peu près la même chose qui se passe pour ce personnage, donc du coup je me suis très vite attachée. Ce que j'ai énormément aimé aussi, c'était donc la relation avec, comme ils l'ont surnommé pour la couverture, Pink, donc le jeune homme aux cheveux roses, et j'ai vraiment apprécié cette relation qui est assez drôle, assez fun. En même temps, on se rend compte donc que les deux personnages se connaissent dans la vraie vie, alors qu'ils n'avaient jamais fait attention, parce qu'en fait l'élève est donc on va dire Pink, et un jeune homme qui et dans l'école où est Monsieur Shiba, mais Monsieur Shiba en fait n'est pas un de ses professeurs, donc lui il n'avait jamais percuté, et c'est pas un professeur à temps plein, donc du coup il a jamais percuté qu'il y avait cet élève là en particulier, alors que l'élève lui l'avait repéré, vu que forcément il travaille dans un stand de location, de vente, etc., en rapport avec des DVD, donc il loue souvent par exemple des concerts, enfin des DVD de concerts, etc., où il précommande beaucoup de choses pour être sûr d'avoir les objets ou les trucs à la sortie, comme les CD et autres. Et donc c'est ça que j'ai su apprécier. J'ai aussi aimé la relation des personnages, la façon dont c'était développé et abordé. L'histoire est plutôt sympa et très agréable. Et ce que j'ai aussi énormément aimé, c'est qu'on développe vers la fin le passé justement de Pink. Hein, je vais rester sur ce nom là parce que j'ai pas retenu son vrai nom. Mais quand on va justement développer le passé de Pink, justement, on va découvrir en fait la vérité, pourquoi il a ce caractère, pourquoi il agit ainsi, etc. Et c'était un personnage très intéressant à découvrir et à lire, donc j'ai juste surkiffé cette série. Donc en ce qui concerne ma note globale, je vais te la mettre à côté de moi, mais personnellement, comme tu as pu le comprendre, j'ai trouvé que l'histoire était super bien gérée, développée, aboutie, que le caractère et la relation des personnages étaient bien gérés et tout ça, donc j'ai été vraiment complètement conquis par cette série. Cette vidéo est donc à présent terminée, j'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir en like, en commentant ou même partageant cette vidéo. N'oublie surtout pas de t'abonner, c'est rapide, gratuit et ça me ferait extrêmement plaisir, surtout que je sais très bien que 40% de ceux qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés. Et personnellement, je le redis, mais déjà, un, c'est gratuit. Et de deux, ça me permettrait peut-être éventuellement de pouvoir proposer encore plus de contenu, un peu plus osé, comme j'ai fait avec le Otaku Manga Tour. Il faut savoir que vraiment, ce genre de vidéo-là, il faut avoir un minimum de nombre d'abonnés pour qu'on vous prenne réellement au sérieux quand vous démarchez, par exemple, les boutiques. Et quand je vois que, par exemple, je fais à peu près 200 vues minimum sur une vidéo. Quand je me dis que pour plus de 200 personnes, il y a 40% qui ne sont pas abonnés, ça me rend vraiment très triste, parce que je me dis que peut-être que si j'avais ces 40% de personnes en plus d'abonnés, peut-être que je serais un peu plus crédible pour certains projets. Et sache que vraiment, ça fait 2 ans que j'ai une idée de vidéo. Et c'est le nombre d'abonnés qui m'empêche de faire les démarches, honnêtement. Alors que je pourrais vous proposer quelque chose de bien plus badass encore peut-être que Otaku France Tour. Donc voilà, j'aimerais vraiment que vous pensiez à ça, que vous y réfléchissiez et que vous pensiez aussi que ben, la visibilité d'un YouTuber, sa réussite au niveau du nombre d'abonnés, etc., ne dépend que de vous, ne dépend que de toi, du fait que tu vas décider ou pas de t'abonner, que tu vas décider ou pas de créer un compte YouTube qui va te prendre 2-3 minutes, même pas, et donc d'aider cette personne-là à avoir plus de visibilité, plus de... qu'on lui prenne un peu plus au sérieux. Et comme tu l'as vu, et comme tu le remarques peut-être si tu regardes ma chaîne depuis un petit moment,
Ben, j'ai vraiment beaucoup d'ambition, j'ai beaucoup d'idées surtout. Et ben, souvent, c'est le nombre d'abonnés qui fait que je n'arrive pas à faire et à lancer certains projets. Alors que, comme tu le vois, j'essaie toujours de me renouveler très régulièrement quand même. Je lance beaucoup de nouvelles catégories qui n'ont des fois jamais été créées sur YouTube, comme les conclusions de maison d'édition ou l'Otaku France Tour, etc. Donc voilà, pense-y, réfléchis-y. Peut-être que tu peux changer toute la donne. Et oui, dis-toi, ne te dis pas que tu es un sur un gros chiffre, même si j'ai pas des millions non plus, mais tu n'es pas que un. Et ce un, des fois, plus un, ça fait trois. Et trois, des fois, ça te change complètement ton chiffre et ça fait qu'on peut te prendre au sérieux ou non. Voilà. Donc j'espère franchement que tu y réfléchiras bien. Donc j'espère que tu y réfléchiras et je te retrouve donc vendredi prochain pour un nouveau Yaoi. Bye!